Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Europa Universalis 4. Donc on était tranquillement en train de faire nos petites guerres, le français qui s'amuse à déclarer la guerre aux buff tous les 5 ans, ou tous les 10 ans, je sais plus. Ah, les Népalais sont terminés, donc on va envoyer ça où? Délian séparatiste 1 à Bunelkand. Les Jangladeshi 1 à Shewakewa, mais... là-bas. Voilà. Mewari, c'est bientôt fini. Les Mewari, après, vont s'occuper de Oud. Oududou. Désolé, c'est nul, mais je m'en fous. Qui est à Baraïch. Et ensuite, on va en envoyer un à Delhi. Un à Delhi et un à Baraïch. Voilà. Voilà. Nos troupes sont arrivées, notre guerre, elle dit quoi? Comme d'hab, les Pays-Bas. Ah oui, mais les Pays-Bas, c'est vrai que par rapport à avant, c'est un tout petit peu moins puissant. C'est quoi ça? C'est les... la Pologne? Attendez que je regarde un truc là. Voilà, nos armées sont arrivées, l'armée est arrivée, voilà. Le template de l'armée, on va le modifier. Vu que c'est 3 régiments de mercenaires. Non. 7. 10. Armée mixte. Ouais, ça coûte 500 d'en faire une d'armée quand même, putain. Limite, j'en mettrais bien une... au Portugal, non même pas, on s'en branle. Là-bas, c'est un putain de gangbang ici. Ah, les Pays-Bas, ils existent toujours quoi. Oucha, ouais, bim. Allez, au revoir les 40 000 hommes. Ouah, le stack wipe. Notre roi est mort, vive le roi. Est-ce que j'ai un héritier au moins? Ou est-ce qu'il tire à blanc lui aussi? Pas d'héritier. Bon, il a 18 ans en même temps. Pas d'héritier. 4-3-4. Ouf. Bon, ça va aller plus vite vu qu'ils ont légèrement bouffé du territoire, quoi, les Français. Voilà. Mettez-vous sur la gueule, éclatez-vous les gars. Delhi et Bakresh, ils ont besoin de corps. Normal, on est en train de convertir. Ah. Ah putain, je suis en guerre avec le pape, fais chier. Qui est le contrôleur papal? En même temps, c'est vrai que l'avantage, vu que je ne mets pas sur la gueule en Europe, tout le monde m'aime bien. Le français a pas récupéré Parme? Non, Parme c'est ça, Parme en France quoi. Parme n'existe plus, mais c'est en France, ouais, c'est le contrat papal. Oh ce bordel. Eux on les envoie là-bas, eux on les envoie... Non, à Tata. Chez Tata. Les corps construction, ça avance. Par contre, c'est vrai que l'autre truc, ce serait... On va le faire augmenter la stabilité, voilà. Plus 1,79. Ouais, légitimité, ça nous fout dedans. Oh putain. Ouais, c'est l'overextension encore, mais l'overextension, c'est bientôt réglé. Delhi et Baraïch. Cachemire est bientôt Corée. Et le Pécor, je lui mets la guerre quand? Dans 10 ans. Baraïch. Baraïch. Ok. Donc Baraïch. Hop. Encore. Cachemire.
Voilà, cachemire, on est bien. Pourquoi il y a autant? Ah, c'est l'autre extension encore. Fait chier ça. Il y a Arcand qui est dans une coalition contre moi. L'autre, il voulait qu'on soit allié il y a peu de temps. Je suis en coalition contre toi, je vais te défoncer la gueule. Comment dire? Le Népal, ouais, qui va? Ouais, faites-vous plaisir, les gars. Ils sont rigolos. Balouchistan, ouais. En même temps, le Balouchistan, ça fait doucement rigoler, quoi. Là, le Delhi va se faire. Ah, ouais, d'accord, 60 000 hommes, quoi. Le Tabarestan. Tabarestan, à titre indicatif pour le Tabarestan, initialement, c'est ça. C'est ces deux provinces. Delhi n'a plus de traité. Il est allé avec qui? Qui va? Lui, on va le rappeler. Portugal, Mexico. Hop. Bah, Delhi va disparaître à la prochaine guerre, quoi. C'est beau. Exactement! On encourage l'esclavagisme! Ouais, ça nous augmente les taxes. C'était beau. Il arrive qu'en 22 jours. Oh punaise! Trade embargo. Ouais, on s'en fout. Embargotez-moi, les gars. C'est pas que je m'en fous, mais en fait, si, je m'en fous, quoi, concrètement. Par contre, je pensais à un truc l'autre jour. Je sais pas si certains d'entre vous pourront peut-être me répondre. Une corps province sur Multan. Ouais, sous Multan. C'est là-bas. Non, c'est là-bas, disons donc. Ouais, c'est. Si vous regardez dans les idées religieuses, The Religious Ideas. Là, on peut prendre quoi là? Une militaire. On est à la bourre. Les idées religieuses. Si vous regardez les idées religieuses, on a ici. Tolérance aux étrufaces, ouais, et Yearly Papal Influence. Question, c'est est-ce que le Yearly Papal Influence, on en bénéficie, enfin, sous une autre forme, si on est protestant, réformé, musulman, n'importe quelle autre religion? Ou est-ce que c'est que les catholiques, catholiques en bénéficient? Si c'est ça, je proteste énergiquement. C'est inadmissible. Ouais, rentrer dans la coalition, honnêtement, même s'ils se mettent tous dans la coalition, rien à foutre. Attendez qu'on regarde vite fait. Zanzibar, c'est du direct. Philippines. Philippines. Bon, on va en mettre un. Putain, c'est où? Philippines. Et on va envoyer celui de Canton. 45-91. On va pas les faire, on a perdu un. Mastimois, je vous dirais, le commerce est tellement puissant, c'est que ça change. Dès qu'il y a une mouche qui pète, ça change. Toi, va te cacher à la maison. C'est la guerre, tu te caches. Tu nous fais un coup à la Courage Fillon, enfin un truc dans le genre, quoi. On va regarder avec qui on est en guerre. Ouais. Un que j'aime bien, c'est quand même Parme. Les mecs, ils doivent se chier dessus. Les mecs, ils font un coup là. Tu fais comme ça, on n'était pas là-bas. Là-bas, la Scandinavie, ça va être chiant.
Parmi l'allié qui Autriche, Silésie et Florence. Ouais. Ah oui, il y a la Pologne, ils vont passer par derrière. Oh putain, ce viol. Ah bah non, ça va plutôt bien se passer. Ah oui, mais c'est vrai que la Scandinavie, c'est ouf, 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 ouf. Ouf. Oh, il y en a là-bas. Bah limite, on va aller s'amuser avec eux là-bas. On a converti Delhi. Ça, c'est une putain d'excellente nouvelle. On les re-rattache. Encore. C'est une putain de bonne nouvelle. Là-bas, pour aller là-bas, il faut qu'on ait un libre accès à Swansea. Swansea, on va lui demander un accès militaire. Il accepte. Excellente nouvelle. Je prends ces deux armées-là. Et on les envoie là-bas. Un là et l'autre là-bas. Ma flotte de guerre, qui est en mode AFK, je me touche la bite, c'est qui ça? C'est Portugaise, Mexico. Et ils sont où? Ma flotte, qu'ils appellent flotte. En même temps, logique. Ah, on va se faire ça. On va les upgrader, eux. Les Népalais qui ont envie de se rebeller, ça faisait longtemps. Et les Mewari, mais les Mewari, ils sont où déjà eux? Chiton et Hadoti, ouais, on s'en fout. Et les Népalais, Garwal et Kurman. Hop, un là, l'autre là-bas, pas de jaloux. Les corps, là je crois qu'on est en train de faire tous les corps partout. Les corps, ils sont où? Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Ouais, ça c'est deux armées qui arrivent à Garwal et Kerman. Nicaragua. Si ça vous emmerde les gars, vous pouvez aller les défoncer de temps en temps, ça peut être pas mal. Cumaon, ouais, ça c'est bon. Ok. Qui est dans la coalition? Faut que je regarde aussi qui est dans la coalition contre moi. Les mecs ils sont en coalition mais je les ai pas attaqués depuis 100 ans. Je sais même plus qu'ils existent. Népal, bon Népal on s'en fout, Yarkand. Le mec on était potes, l'autre, ah je vais te défoncer. Mais putain on était potes du con. T'as voulu qu'on soit alliés et tout, tu me kiffais, t'étais amoureux de ma femme. Bon bah c'est pas grave, on va l'augmenter parce que bon... Pff, à lui mettre sur la gueule c'est pas que ça me... Pff, voilà quoi. Hop, les technologies. Le militaire, on est à la bourre. Putain. Comment je peux être à la bourre en militaire? Oui, c'est vrai que j'ai fait que du focus. C'est vrai que le défaut de cette mission, c'est que ça demande mes gavés de points. C'est infâme. Bon, je pense que c'est le français qui est premier. Le contre-espionnage avec eux, on va un peu arrêter. On va s'occuper de ça avec les roast beef parce que là. Est-ce qu'on va se faire? On va se faire ici. On va se recruter une armée. Une armée là. Une là. Et une là. Alors on se recrute deux armées. Soyons fous. On claque 1000. On prend 48 000 hommes. On a claqué à moitié de notre manpower. Je suis un grand malade. Je sais. Pourquoi j'étais là? Oui, c'est l'anglais. On va dire, hé l'anglais. On va faire un peu de contre-espionnage parce que t'es un tout petit peu casse-couille là, à me faire chier, toi. Donc on va le dégager. Les... Ce que je vous disais voilà, dans ma partie sur House of Iron, j'en parlais, mais vous l'avez vu il y a un mois, je pense peut-être. C'est voilà, vous voyez les Pays-Bas, les mecs ils ont une flotte de débiles profonds, et dans HOI, les mecs ils ont deux bateaux quoi. On n'a pas vu ce qui se passait là-bas, fait chier. Ici les Polonais, ça avance par là-bas. Oh là là, ce massacre. C'est vrai que les Polonais en pote, ce serait une bonne chose. Oh la Croatie. Voilà, Croatie. Ah, on arrive à Nanning. Nanning, ça me rappelle des souvenirs aussi d'HOI 4. Battle de Gouyara. Bon, on se cache.
Ouais, ça c'est mes armées. Portugal occupe Nanning, bonne nouvelle. On va se prendre. Bon, on va aller là-bas pour accélérer le siège. Ça c'est mes deux armées. Là, le siège, il va passer en mode très rapide, je pense. Ouais. Voilà. Bon, c'est beau, ça. Là, les provinces. À Fangwa. Hop. Irkande. Qu'est-ce qui passait avec Irkande? Ah, on le rappelle. Je ne comprends pas pourquoi il m'aime pas. J'ai du mal à comprendre cette raison, qui n'est absolument pas justifiée, je trouve. Fabricate claim. Nous disions... Ça, on l'a fait. 18, 16, donc... Panipat. Alias, Balipat. Ensuite, son pays de merde, il vaut combien en taille? Lui, on peut l'annexer maintenant, je pense. 36, ouais. Ça va être easy. Putain, les mecs, ils sont allés jusqu'à Cusco, quoi. Yalla! On s'est fait attaquer là-bas, on traverse le monde, on va là-bas. Oh là 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 là. Le pape, il nous envoie 75 000 hommes là-bas, quoi. L'armée mexicaine, elle fait quoi? Elle se branle les couilles. Oh là 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 là. Bon, on va sortir les Pays-Bas de la guerre, comme d'hab. En même temps, les Pays-Bas, ils ont un peu une tête de victime, quoi, les mecs. On a gagné 1000 par mois, quoi. On s'en fout de ça. Je comprends pas. Où est-ce qu'il manque des troupes? Ah oui, ça va être mes... Ouais, ça doit être ça là-bas. On s'en fout. Le siège de Limshao est terminé. Très bien. Donc on envoie un là. Un là-bas. C'est à qui déjà ça? C'est à Scandinavie. Bataille des Corumba. Eh putain de sa race maudite. Ok. Voilà, les trois dernières armées, comme ça, cette armée-là, direction le pape. Est-ce que... Non... Là-bas... Qu'est-ce qui vaut du fric? Bon, on va piller, hein, tranquillement. Merde. Ah, une technologie militaire, voilà. Des nouveaux soldats, des nouveaux cavaliers. Ça, c'est de la balle. Les White Coat Infanterie. Tic, tic, tic.
Ah ouais, c'est 3, 6, 9 et 4, 13. 3, 6, 9 et 4, 13. Impulse en vrai. Et là, on va faire. Ok. Bon, on va arrêter l'épisode là. Donc, j'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser des commentaires, me poser des questions, donner votre avis. Bref, participer, ça me dérange pas. Ça me fait même plaisir de vous répondre. J'essaie de répondre à tout le monde. J'ai pas encore l'autorité de Dieu, donc je peux répondre presque à tout le monde sauf les commentaires à la con. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.